السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا أعزائي تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. في هذا اللقاء غادي نحاولوا نديروا التصحيح يعني تقريبي للامتحان الجهوي الموحد امتحانات البكالوريا الدورة العادية 2023 الخاص بالمترشحين الممدرسين قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية في مادة اللغة الفرنسية الأكاديمية مراكش أسفي. كما كتشوفوا المعامل ديال الاقتصاد 3 باقي الشعب 4، هنا كتشوفوا الشعب والمسالك اللي كيخصهم هذا الموضوع ديال اللغة الفرنسية. إذا غنبداو بقراءة النص، من بعد غادي نشوفوا الأسئلة والأجوبة. قبل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وخاصة بارطاجيو باش تعم الفائدة للجميع. إذا نبداو بقراءة النص. Crayon est seul, au crayon est resté seul, le cœur entre et va à lui. Le cœur, tu es fou, crayon, qu'as-tu fait? Crayon, qui regarde au loin devant lui, il fallait qu'elle meure. Le cœur, ne laisse pas mourir Antigone, crayon, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Crayon, c'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser de mourir, de refuser et de mourir. Le cœur, c'est une enfant, crayon. Crayon, que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimant entre en criant, père. Crayon, cours à lui, l'embrasse. Oublie-la, Aimant, oublie-la, mon petit. Tu es fou, père, lâche-moi. Crayon le tient plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver, Aimant, j'ai tout essayé, je te jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Aimant crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. إذن غادي نبداو على بركة الله في تصحيح الامتحان. كما كتشوفوا أعتذر على لاكاليتي ديال هاد الصورة، يعني ما باينش مزيان. غادي نحاولوا نعديو بها. إذن بالنسبة لكيستيون ديال ليتيود دو تكست على 10 ديال النقاط، السؤال الأول خصنا نملؤوا هذا الطابلو. Alors, recopier et compléter le tableau suivant. Alors, le titre de l'œuvre, d'où est extrait ce texte? Le titre de l'œuvre, Roi Antigone. Le prénom et le nom de l'auteur, Roi Jean Anouil. Siècle de la publication, siècle, yani, le siècle de publication. Roi, le 20e siècle, yani, le Qarn al-Ishrin. Le nom donné à la femme qui a élevé Antigone. La femme qui a élevé Antigone, c'était la nourrice. Ce midi là, la nourrice. Alors, Misbel Souelteni, pour situer ce texte, dites pourquoi Crayon est resté seul. Voir le début du texte. Wesh, car son fils, sa nièce Antigone et sa femme sont ennuyeux. Ou car sa nièce Antigone, sa femme et le page sont déçus.
ou car sa nièce Antigone, Ismène et les gardes sont partis. Donc, Snachoufo, pourquoi il est resté seul? Pourquoi Créon est resté seul? Alors, A, B, A ou la C? Alors, car son fils et sa nièce Antigone et sa femme sont ennuyeux. Ou car sa nièce Antigone, sa femme et le page sont déçus. Ou la car sa nièce Antigone, Ismène et les gardes sont partis. Car sa nièce Antigone, Ismène et les gardes sont partis. Alors, retenez la bonne réponse sur votre copie. Troisième question relevée dans le texte, une didascalie qui montre que Créon tente de calmer la colère de son fils Aimon. Une indication cynique qui a l'auteur. اللي كتبين ان كريون حاول يهد من لا كولير دو سون فيس ايمون. دونك نرجعوا للنص غادي نشوفوا فين هو لا ديداسكالي اللي كي مونتر سا. هنايا هي هذه كريون كور الوي اي لومبراس. كريون جرى عند ايمون ابن ديالو الى امبراسي نحتضنو باش بور لو كالمي. دونك كور الوي اي لومبراس. اذا الجواب هو لا ديداسكالي كور الوي اي لومبراس. Alors, que demande Aimon et le cœur à Créon? Le cœur est Aimon, men Créon. La réponse, alors, le cœur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'as-tu fait? Le Créon, ce que vous voulez? Car c'est elle qui voulait mourir. Ne laisse pas mourir Antigone. Alors, le cœur, ne laisse pas mourir Antigone. Et Aimon, il lui dit, Naya, mon père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Yani, Aimon ou Créon demande à Créon de ne pas laisser la laisser Antigone mourir. D'accord? Donc, le job, elle est sous elle. Que demande Aimon et le cœur à Créon? Il lui demande de ne pas laisser Antigone mourir. Alors, cinquième question, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Plaie, oui, yani, jorh, hein? Des siècles, yani, couronne. Alors, cette réplique du cœur veut-elle dire, wesh, la mort d'Antigone sera une blessure durable? Ou là, la mort d'Antigone sera une blessure légère, ou la mort d'Antigone sera une blessure imaginaire. Je vois A, la mort d'Antigone sera une blessure durable. Durable, il y en a pendant des siècles. Il y en a des siècles, ou les plaies, au moins les blessures. 6. Dégager du texte quatre mots ou expressions se rapportant au champ lexical des sentiments. يعني الحق الدلالي ديال لي سونتيمون احاسيس. دونك غادي نمشيو للنص شوفوا مثلا شنو هما لي زيكسبرسيون دو سونتيمون. alors مثلا on a ici l'embrasse. Ne t'aime pas. Étreinte. Donc, étreinte. Ne t'aime pas.
D'ailleurs, le tien plus fort, expression de sentiment, le tien plus fort, l'embrasse, le sentiment, etc. Donc, les expressions de sentiment, mais qu'on a d'autres, hein, d'autres mots de sentiment. إذن نمشيو نشوفوا السؤال، السؤال رقم سبعة. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? هنايا قالوا لنا à qui renvoie le pronom personnel souligné dans cet énoncé. Là, ça renvoie à le personnage de Antigone. Là, il y a Antigone. Donc, A remplace ou renvoie à Antigone. 8. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Quelle est la figure de style exprimée par les éléments soulignés dans cet énoncé? Donc, on est à vivre, vivre, on est qu'il mourir. Jusqu'à les mettre les kait ardo. Donc, on peut dire qu'on a une antithèse. Donc, la figure de style utilisée ici, c'est l'antithèse. Pour la neuvième question, elle a préféré sa folie et la mort. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de Crayon? Donc, il y a une question, 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 la réplique, elle a préféré sa folie et la mort. يعني واش نتوما داكور افيك سيت افيرماسيون دو كريون سي وي فو ديت بوركوا سي نو فو ديت بوركوا اوسي الوغ كتبقى لنا السؤال رقم 10 Que pensez-vous du comportement d'Aimon à l'égard de son père dans ce texte? Donc, il y a aimant, il y a un fou, présentez votre opinion en une phrase ou deux. Alors, il y a un raïd de la vie, comme le raïd de la vie, il y a un raïd de la vie, il y a s'est comporté d'une manière un peu. Yani violente à l'égard de son père, il faut l'excuser parce qu'il aime Antigone, il a été porté par le sentiment d'amour à l'égard d'Antigone. Alors, la production écrite, sujet à cause de leur comportement, paroles, gestes, décisions, certains parents risquent de blesser leurs enfants sans le vouloir. Écrit un journaliste. Partagez-vous l'opinion de ce journaliste. Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous présenterez votre point de vue. Vous l'appréciez à l'aide des vous l'appuyez à l'aide d'arguments et d'exemples précis et pertinents. Donc, le sujet, l'introduction, le développement, la conclusion. غادي نخصو واحد الفيديو لهاد لا برودكسيون ان شاء الله الا تفاعلتو بزاف مع هاد لا كوريكسيون والى فرصه قادمه ان شاء الله